Présenteur! Homme! Attention pour la montée de couleur. Envoyez. D'abord savoir que le drapeau symbolise plusieurs choses. C'est un élément de rassemblement. C'est le drapeau qui nous rassemble. Ensuite, le drapeau symbolise un idéal. C'est pour ça qu'on le monte. On monte le drapeau pour dire que nous fixons haut notre idéal. Vous avez toujours remarqué que quand les troupes vont au combat, le drapeau est toujours porté haut. Et quand le drapeau tombe, ça veut dire que c'est fini pour la troupe. L'ennemi a gagné. Donc nous portons notre drapeau haut pour qu'il ne tombe jamais. Le drapeau signifie rassemblement pourquoi? Parce que il veut dire que nous avons un destin commun. Nous devons construire notre destin ensemble. Ce qui suppose que nous devons mettre de côté les intérêts individuels pour viser l'intérêt collectif. Dans une nation où chacun poursuit son intérêt individuel, chaque nation court à sa perte. Mais dans une nation où l'intérêt collectif prédomine, c'est pour l'intérêt de tous. Et la nation ne peut que gagner. Voilà ce que symbolise la montée du drapeau. Ce n'est pas simplement folklorique. Il faut que chacun comprenne la signification. Et actuellement, notre priorité, c'est la restauration de l'intégrité territoriale et de la sécurité pour tous. Donc quand nous nous retrouvons pour la montée des couleurs, cela veut dire que nous nous regroupons pour cet idéal-là. Et tout ce qui va contre cet idéal, nous devons le combattre. Donc nous devons débusquer au sein de nous les complices des terroristes qui viennent endeuiller nos populations. Ça, c'est notre priorité. Et quand on aura fini avec le terrorisme, il nous faudra refonder notre nation. Il nous faudra nous retrouver tous ensemble pour refonder notre nation, la poser sur des bases stables et saines pour que les générations futures puissent aller de l'avant en toute tranquillité. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain en portant cet idéal-là jusqu'au mois prochain.